encore une fois, on a évité l'incident diplomatique avec un plantage de Windows, là. Excusez-moi, mais vous l'avez pas vu, mais ça a failli méchamment faire planter l'ordi. Je sais pas si c'est Half-Life ou Fraps, mais... ou les deux. Hey, je reviens. Mais crève. Putain, mais il est invincible. Mais what the fuck. Ça aussi, c'est une cuve qui soigne, mais là, j'ai pas compris ce qui vient de se passer, en fait. On s'en fout, on y va. Faut vraiment pas péter ces containers, parce que les... on va les appeler les soldats mouches, puisqu'ils lancent des espèces de mouches bizarres, là. J'ai vraiment pas envie de me battre contre un soldat mouche. C'est vraiment épique, quand même, comme nom, le soldat mouche. Allez, monte. D'accord, merci. Par où on monte? Tellement mal foutu l'architecture alien. Ouais, mais pourquoi il s'arrête là en fait? Ah bah, tout simplement. Et voilà. On va essayer de pas se prendre une cuve de soldat mouche sur la gueule. Ce serait con. Alors, les cuves vont jusque dans la flotte. Et on va essayer de pas s'en prendre une sur la gueule. Vite, sort. Voilà. Waouh. Ah, mais... crève. Oh, putain. Bien, le fusil à pompe, y'a que ça de vrai. À tous les tarés psychopathes qui jouent au FPS et qui jouent uniquement fusil à pompe, comme moi, vous avez tout compris. Je vous rassure, vous avez tout compris. C'est limite chiant ces trucs. Limite. Mais ça va, ils sont cons. C'est pour ça que je dis limite. Là, c'est un ascenseur, ça. Ouais. Mais il a cru quoi, lui? Mais il a cru quoi, celui-là? Ah, oh, mais celui-là. Ça ne veut absolument rien dire, je sais, mais je m'en fous. Oula, en plus, il balance du truc radioactif vert dessus. Ah, oh, mais casse. Hey. Ah, c'est vachement moche ces trucs. Oh, en plus ça fait un cri immonde. Hey, bim. Vous ne venez pas me foutre la paix. Voilà. Et voilà. Franchement, je vois pas... je comprends pas les militaires du jeu quand même. Je vois pas où était le problème face à ces monstres, parce qu'ils sont quand même très cons. Ah, y'en a plein. Oh, c'est pas vrai. Bon, ça y est. Bah, reviens. Merde. Pff, en plus, il y a des trous dans leur construction. Regarde. Oh. C'est vraiment du sale boulot d'architecte, ça. C'est quoi ces architectes aliens à la con? En plus, les murs sont dégueulasses, organiques. Il y a des trous de partout. C'est pas sécure. Dégage. La sécurité laisse vraiment à désirer. Et c'est hyper moche. C'est mal éclairé. Ça, c'est dit. Allez. Bon, on va retourner. On tombe pas dans le trou. Sauvegarde. Et oui, sauvegarde, forcément. J'ai pas envie de tout recommencer après avoir fait déjà 33 minutes de vidéo. Pas question. Coucou.
Voilà. Et ça, je l'ai récupéré. Oh, j'ai pas du tout la foi d'aller chercher l'armure en plus. Tiens, bouffe. Il est où l'autre lanceur de boules lumineuses? Des bombes? Oula! Ah, j'en ai assez des bombes. Ah, mais c'est résistant en plus ce truc. Ah, mais ils tentent des embuscades, mais ils savent pas se planquer. Et ils savent pas fuir non plus. Ah, mais il y en a combien de la vie? Ah, mais une double décharge dans la gueule, ça lui fait presque rien. Mais reviens! Du C4, ouh, là ils ont pensé à moi. C'est bon ça. Il nous en manque un qui est là. Et bim! Bon là par contre on est obligé de briser au moins celui-là. Je suis sadique. Viens par là, viens par là. Bah alors? Oh du con! Allez! Va dans la lumière bleue, joue le jeu! Voilà! Merde! Bon allez, merde! J'avais pas prévu que ça pèterait l'autre bloc. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Une minute, tu vas voir toi. Arrête de bouger de façon approximative. Ah, on se fait soigner 2 minutes et on est reparti. Ouais, si je ne m'abuse, cela fera 3 vidéos. Alors, oh super, ça ce sont les conduits d'aération aliens. Et forcément les aliens, ce qu'ils aiment bien mettre dans leurs conduits d'aération, c'est des crabes de tête. C'est lumineux rouge, c'est bizarre. Disons par là. Ah non. Il me semblait que... Oh, j'ai complètement découvert là. Ah, c'est pas le moment de m'emmerder. Hop, hop, allez. De toute façon, contre le boss de fin, le magnum, je pense pas qu'il me servira beaucoup. J'ai quoi comme balle? Ouais, il faudrait que j'ai ça chargé à fond. Il faudrait que j'ai plus de roquettes. Parce que sinon ça risque d'être un peu galère pour le boss de fin, vous verrez pourquoi. Les petites bestioles, ça peut être très utile pour la fin. Une façon bien originale de finir le boss, vous allez voir ça. Et vachement sadique. Hey, reviens ici, espèce de champignon. Non, tu n'iras nulle part, espèce de champignon. Du coup, il s'est barré ce con. Alors toi, fusil à pompe. Ah, il y en a un autre. Non, je pouvais pas l'esquiver. On se soigne. Hop. Et en fait, le dernier téléporteur est là-haut. Et là, on va... Putain, ça fait mal, ces trucs. Oh putain, j'en ai marre de ces trucs volants, mais j'en ai marre. Et en fait, je crois qu'il en arrive à l'infini, donc j'ai intérêt à me grouiller parce qu'ils viennent tous d'en haut. Vous savez quoi? On va foncer. On va vraiment foncer, là. Parce que là, j'ai plus tellement de munitions de magnum. Plus tellement de vie et plus tellement d'armure. Bah, où suis-je? Pourquoi? Comment? Pour quelle raison? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je fais? Où je vais, là? Merde! Je ne reconnais plus rien. Qu'ai-je fait? Putain, faire gaffe là.
On va essayer de pas tomber. Il me semble que dans cette salle, on peut récupérer pas mal de trucs. Exemple. Ouh oui. C'est un Epic Win. Et là, un conteneur à munitions. Parfait. Des roquettes, des munitions bizarres pour les armes expérimentales. Il y en a un qui me tire dessus, mais je m'en fous. Ouais, je veux de la vie, je veux des munitions, et puis basta. Il y en a plein, mais je m'en fous. Oh, là, ils ont pensé à moi. Des bombes. Ah, je vais me tirer dessus. Là, il me faudrait de la recharge d'armure. J'ai pas tellement envie du C4 que j'ai déjà. Allez, on peut se barrer. Là, on va foncer. Et on va direct aller à l'antre du boss. On va y aller sans crever, si possible. Allez, go! Ascenseur, pardon. Reviens! Pourquoi? Ah! Ça doit faire mal. Vu le sale bruit que ça a fait. Allez, donc ascenseur, n'est-ce pas? Oh! Eh, mais il me fout des baffes! C'est... Non, mais... C'est quoi ça? Ça en finira jamais! Oh, une vite à chambre. Façon Half-Life. Allez, go, 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 go! Non, tu n'iras nulle part, espèce de champignon! Arrête de bugger! Allez, remonte, monte! Allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque! Allez, 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 j'ai pas d'armure, ça va être galère pour le boss! Go! Ça, c'est pas de la putain de phrase avant le boss de fin, mais regardez-moi cet endroit, c'est l'enfer. Et là, c'est le dernier portail du jeu qui conduit au boss de fin. Voilà, je n'ai pas d'armure, par contre j'ai tout plein de munitions. J'ai absolument pas d'armure, ça risque d'être vraiment, vraiment galère. Oh allez, je suis un fou, je vous ferai deux parties de 30 minutes. Ouais, on va finir ça en deux vidéos. Bon. Direct, lance-roquette. Ça va aller très vite. Ouh, je vais tout faire pour que le combat s'éternise pas, donc je risque de la jouer vraiment lâche pour le boss de fin. Mais c'est pas grave. C'est parti. Nilante. Ah, prêtez pas attention à ce bourre. Faut péter les cristaux. Ah, il est énorme, il est moche. Faut péter ses cristaux. Voilà. Non, non, non. Il va me tirer dessus, il va me tirer dessus, il va me tirer dessus. Voilà. Faut péter ses cristaux avant tout. J'ai pris très cher dans ma gueule. Ça risque d'être vraiment galère sans armure. Il faut vite que je trouve un endroit pour flanquer. Ce qui fait vachement mal quand il tire celui-là. Là-bas, là-bas, voilà. Bon, alors, c'est quoi le plan? Ça sert à rien de lui péter la gueule parce qu'il va recharger sa vie avec ses cristaux. Il faut leur péter la gueule. Voilà. Alors, cet enfoiré, c'est en fait, c'est un... C'est Nihilant, il est très moche, je vous l'accorde. Il nous envoie des portails de téléportation vers des endroits à plateforme vachement chiantes avec plein de monstres à lui. Avec éventuellement des munitions à récupérer et tout, mais c'est trop long et trop chiant, désolé. Et il nous téléporte des potes à lui, il nous envoie des éclairs qui nous one-shot vu qu'on n'a pas du tout d'armure. Alors le dernier cristal est forcément derrière lui, sinon c'est trop simple. On va y aller au lance-roquette encore. Allez, esquive. Non, 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 va-t'en. Hein? Bah, je t'emmerde, voilà, j'ai fait un chargement automatique. Oh, je lui ai cassé son délire, là. Il a pas pu me téléporter. Bon,
sait pas tout, mais là, il va falloir vraiment faire gaffe. Puis c'est un alien derrière encore. En fait, c'est une des bestioles violentes, mais... violentes, volantes, mais en plus gros. Et en beaucoup plus méchant. Voilà, ça c'est fait. Il pourra plus recharger sa vie. Alors là, on va le bombarder. Voilà. Tiens, bouffe dans le visage, dans le visage, dans le visage. Tiens. Non, non, me téléporte pas. On va finir les munitions de Magnum. Voilà. Donc voilà, il a plus de boules lumineuses autour de lui, ça... Oula, merde. Ça veut dire qu'il est dans la merde. Surtout qu'il peut plus recharger sa vie actuellement. Ouh, c'est violent. Donc là, le but, ça va être de le canarder jusqu'à ce que sa tête, elle s'ouvre complètement. Pourquoi faire une chose pareille, me direz-vous? Vous allez voir. Tiens, je vide toutes mes munitions dans le visage, là, en plus. J'ai pas envie de... Ah, voilà, la tête est... La tête est ouverte, donc il peut plus envoyer qu'une boule à la fois. Ce sera largement suffisant pour nous tuer sûrement, vu qu'on a plus de vie. Donc là, le but, ça va être de trouver les trampolines aliens et là, lui latter l'intérieur de la gueule. Alors au choix, où on termine nos armes, ou on termine au pied de biche, ça c'est le plus jouissif, ou alors le plus sadique, on va au-dessus de lui et on lui largue toutes ses bestioles dans la tronche. Comme ça, elle grignote de l'intérieur. On avisera, parce que, au moment venu, parce que là, c'est pas le moment, vu qu'on a plus de vie. Allez, on fonce! Ah. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas où aller. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai... Ah, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ouh, une source, une source. Wow, wow, wow. Ça c'est gentil. Donc là on va recharger tranquillement en esquivant les boules violettes de l'autre. Ah mais t'as fini, mais j'ai même pas le temps de recharger ma vie avec ce con. Mais dégage. Ouh, ça ça fait mal. Bon, on va pas trop traîner parce que là ce con il nous laissera pas. Non. Laisse-moi recharger ma vie. S'il te plaît. C'est gentil. Laisse-toi te faire tuer, mais sans déconner. Bon, tant pis. Allez, où on va là? Où on va? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? 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 Le but c'était d'aller là-bas quand même. Ouh là là. Putain, même pour la fin du jeu, je peux même pas être classe. Faut que je fasse des fails en permanence. Bon, on va essayer d'aller là-bas. Sachant que c'est hyper loin. Comment faire pour aller là-bas, merde? Non, là, je sèche. Oh, mais casse-toi, gros. Bon. Pendant qu'il est bloqué par cette plateforme pointue, on va réfléchir. Peut-être aller là-bas. Non, là, y'a rien. Non, non, non. Pauvre con, je suis à découvert, là. Ou peut-être qu'il y a un trampoline plus puissant. Bon, là, il s'agirait de trouver une solution, parce que avec 5 points de vie, ça va pas le faire. Dégage! Allez, dégage. C'est plus le moment. On va tester ce trampoline là-bas. Non, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, je te dis. Jamais! C'est épique, je vais pas y arriver. C'est épique. C'était épique. Bon, on sait où aller, on sait où aller. On prépare, allez, le Medigun, on va le finir au Medigun, parce que avec 5 points de vie, ça va pas le faire. J'aurai pas le temps. Allez, allez, bouffe, allez, tu traînes trop. Allez, tiens, pied de biche, je suis en malade. Allez, tiens. Bonne app, les petits. Pardon. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Je m'en fous, je finirai à la bestiole, tiens. Je le finirai à la bestiole, je le finirai à la bestiole. Oh, je sais même plus comment ça s'appelle ce truc. Non, allez, sans déconner, on a la fin. On c'est à la fin du jeu, tu peux pas me faire ça sur la fin.
Je pète un peu un câble parce que là c'est la fin et c'est tout sauf épique, alors que c'est quand même la fin de Half-Life, c'est pas rien. Alors on va le finir. Oh, mais sans... Oh non, mais... C'est le syndrome Rayman 2, pour ceux qui ont vu le précédent World Through, c'est la fin, le pire passage du jeu. Voilà. Je suis mort 26 fois dans Rayman 2. Bon, évidemment, j'ai fait une coupure, vous n'avez pas tout vu, mais je suis quand même mort 26 fois, je m'en rappelle. Oh, mais allez! Oh, mais c'est pas vrai, mais... Mais merde, dégage! Dégage! Ah. Je suis en train de péter un cap sur la fin du jeu, là. Allez, allez, joue le jeu. Allez, joue le jeu. Rayman, non, Gordon. Atterris dans l'eau, sinon tu vas le regretter. Non, mais marrez-vous, vous pouvez, là, c'est ridicule. Pour la fin de ce World Through, franchement, c'est ridicule. Allez. Toi, tu vas te faire dévorer la tronche, tu vas voir. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, tu veux jouer ça, ah, tu veux jouer ça, ah, tu veux jouer ça, hein. Ah, tu veux jouer ça, ah ouais, 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 hein. Yo. J'en ai marre, sans déconner. Allez, tu peux pas me toucher de là quand même. Mais sans déconner. Ah oui, d'accord, en fait, ces boules d'énergie peuvent lui traverser le corps, y'a pas de problème. Y'a pas de problème, hein, y'a pas de problème. Medillion, aide-moi. Dans un moment difficile, s'il te plaît. Viens, bouffe. Viens, souffre. Yeah. Victoire. Victoire. Viens. C'est les meilleurs soudards. Viens, souffre. Bon, c'était pas si compliqué. Et voilà. Dans ta gueule. Oh. Gordon Freeman, en chair et en os. Nope. J'ai pris la liberté de vous retirer vos armes. Après tout, la plupart d'entre elles sont la propriété du gouvernement. Quant à la combinaison, je pense que vous l'avez méritée. G-Man, le face-à-face ultime pour la fin. Le monde frontière Xen est pour l'instant sous notre contrôle, grâce à vous. Vous venez d'y accomplir un superbe travail. Je suis réellement impressionné. Oh putain, ce mec a des pouvoirs flippants. Il téléporte, il contrôle les aliens, on dirait. C'est pourquoi je suis ici, monsieur Freeman. Je vous ai recommandé à mes employeurs et ils m'ont autorisé à vous proposer un travail. Ils pensent comme moi que vous n'avez pas encore épuisé votre potentiel. Vous êtes un homme intelligent, Freeman. Je pense que vous n'aurez pas de mal à vous décider rapidement. Si ma proposition vous intéresse, il vous suffit de franchir à nouveau le portail. On commence dans le métro, on finit dans le métro, c'est beau. On est... Sinon, eh bien, c'est pas si on est dans l'espace. Je vous offre la possibilité d'une dernière bataille, que vous n'avez aucune chance de remporter. Plutôt dommage pour un homme de votre qualité. Voilà, il y a deux fins dans le jeu, mais il y en a qu'une qu'on peut vraiment faire finalement. Il est temps de choisir. Je vais vous montrer quand même ce qui se passe quand on refuse. Il est temps de choisir. La phrase culte de... Il est temps de choisir. Eh bien non, j'affronterai tout ce que tu me mettras devant mon chemin. Tiens, j'arrive même pas à finir mes phrases. Vas-y. Visiblement, nous n'aurons pas l'occasion de travailler. Prends personne, vas-y, hein. Oh. Allez, sans rancune, monsieur Freeman. Bon, on va peut-être choisir l'autre solution. J'ai envie de travailler pour nous. Qui ça, nous? Parce qu'il y a des plus hauts que j'ai man, mais actuellement, on sait toujours pas qui c'est. Non, merci, on va faire la vraie fin. Allez, c'est parti. Il est temps de...
Vous avez fait le bon choix, monsieur Freeman. Nous nous reverrons bientôt. Et voilà. Si c'est pas bizarre comme fin quand même. Finir devant ce fameux G-Man. Pour la première fois dans tout le jeu, on est face à lui. Et il nous parle de ses employeurs, mais actuellement même dans les épisodes épisode 1, épisode 2, il y a que des théories, on sait même pas vraiment qui est G-Man. Et encore moins qui sont ses employeurs. En tout cas, G-Man a des pouvoirs flippants puisqu'il peut se téléporter. On dirait qu'il craint personne, il est toujours serein, il a même pas besoin d'armes pour se défendre. Les aliens ne l'attaquent pas. Et on sait pas s'il peut modifier l'espace-temps, enfin c'est un mec vachement bizarre. Donc voilà. Vous passez le générique quand même. On ne peut pas. Eh bien, je ne vais pas vous passer le générique pour la peine. Non. Donc voilà, c'était la fin de Half-Life. Vous en faites pas, si vous en avez pas eu assez, bah, on va se faire tout de suite Opposing Force, suivi de Blue Shift, et après, vous verrez bien. Pour ceux qui me demandent, oui, je ferai la suite Half-Life 2 et Half-Life 2 épisode 1, épisode 2, suivi de Portal et Portal 2. Mais c'est pour beaucoup plus tard, parce que là, rien que... J'ai toujours pas fini, là, il manque Opening Force et Blue Shift. Je pense qu'après tout ça, ça fera quand même une bonne dose de Half-Life, et il serait temps de faire une bonne pause entre les deux. Donc, c'est obligé, comme je suis un grand fan de la série, je les ferai. Mais pas tout de suite, je termine Opening Force et Blue Shift, et je vous ponds quand même, après un jeu plus récent, encore un bon jeu, vous verrez bien. Et après, on avisera, donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, des commentaires, c'est... Il y a quand même beaucoup de boulot derrière un simple tournage de film, que tout ce qui est l'encodage, etc., c'est toujours un peu long. Donc quand on fait ça, franchement, les commentaires et les pouces verts sont les seuls trucs qui motivent vraiment, on va dire, savoir que ce qu'on fait est apprécié. On va quitter la... Non, même pas quitter, même pas la fois. Il n'y a plus de musique, oh. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque là je suis bien reparti. Je mettrai des news assez souvent. Je poste les vidéos dès que je peux. Je prends pas trop de temps. Et j'ai énormément de jeux à faire. J'ai une liste vraiment énorme de jeux à walkthrouter. Je sais pas si on dit ça, mais je m'en fous. Avec un peu de chance, ça rentrera dans le lexique au même titre que Emeborg, mais faut pas rêver. Je sens que je vais couper bientôt parce que là je commence à raconter pas mal de conneries. N'hésitez pas à faire découvrir un peu cette chaîne à tous ceux que vous voulez, parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y en a de plus en plus qui me suivent. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, etc. Bon, je me répète à force, donc voilà. C'est épique, je sais même pas quoi dire pour la fin, donc pouce vert, commentaire, pouce rouge même. Partagez un peu ces vidéos, abonnez-vous, mangez des fruits, 5 fruits et légumes par jour, maltraitez tous les crabes de tête que vous rencontrerez dans votre vie, franchement, parce que ces saloperies, il faut les faire souffrir, vous avez pu voir. Être sadique, c'est bien, les armes, c'est bien, les armes expérimentales, c'est bien, brutaliser les barnets, et à bientôt.